Je vous ai vu, vous venez de faire un selfie. Hello à toutes et à tous, c'est Benji et on se retrouve aujourd'hui, enfin les amis, sur le jeu Les Sims 4. Ça y est, c'est pas trop tôt, j'ai une joie immense. J'espère que vous avez les amis... D'accord, bon, elle vient de clapser devant nous, mais c'est pas grave, la faucheuse qui devrait pas tarder à arriver, non? Comment ça se passe? Expliquez-moi. Même pas, c'est pas grave, on aura tout le temps, chers amis, pour voir ce que cette nouvelle faucheuse, donc, qui va tuer tous les Sims qui meurent de rire. On peut dire qu'il ne s'agit plus véritablement de... Ah bah lui, il dort carrément par terre. Il ne s'agit plus d'une expression, mais d'une réalité. Enfin bref, les amis, on va découvrir ça tous ensemble. Sans plus tarder, cliquons sur le bouton jouer, j'allais dire play, mais non. Le jeu est en français. Rassurons-nous. Oui. Ok, c'est parfait. Bon, alors j'ai eu un... Ouf. Allez, oui, on va le dire, allez, on est modeste, hein. J'ai eu un petit peu de mal à acquérir le jeu, il n'était pas encore mis disponible dans les magasins, mais c'est bon, ça y est, c'est comme pour les Sims 3, en route vers le futur, c'est bon, ça y est, on a le jeu, tout est parfait. Bienvenue dans Créer un Sim. C'est ici, dans Créer un Sim, que commence l'histoire de vos Sims. Nous allons vous montrer comment leur donner un nom, à élaborer leur personnalité et définir leur apparence. Une fois qu'ils seront parfaits, Nous vous montrerons comment les faire emménager dans une nouvelle maison et comment prendre le contrôle de leur vie. D'accord. Moi, ça me va. Pour l'instant, je vais pas m'en plaindre. Ça va. D'accord, ok. Panneau personnalité. Ah. Oula, ça bug. Ah, bonjour. Excuse-moi, t'as eu un petit peu de mal à t'afficher, toi, c'est bon. Alors, j'ai notamment, les amis, fait 2 vidéos sur la démo Créer un Sim. Donc, nous avons créé un homme et nous avons, de l'autre côté, créé une femme. Donc, normalement, tout le monde est créé, il n'y a pas de problème, d'accord. Donc, on va pas en recréer un aujourd'hui. On va accéder, donc, chers amis, directement à notre galerie qui est ici, je crois bien. Oui, c'est ça, magnifique. Alors, les Sims 4, partagez vos créations. Oui, bref, on va dire c'est les conditions, entre guillemets. Ok, merci. Alors, la page d'accueil que j'avais eu à l'occasion le temps de vous montrer. Les créateurs et vos créations. D'accord, ok. Il s'agit du fil d'actualité où vous pouvez lire des notes de vos amis pour savoir ce qu'il se passe. D'accord. Donc c'est plutôt bien foutu, cette idée. Il y a un peu des bugs de son. Allô? Bon, il y a des bugs de son à certains moments, je sais pas d'où ça vient. Bon, c'est pas grave. Les hashtags vous indiquent les sujets populaires afin que vous puissiez vous tenir au courant de ce qui plaît aux membres de la communauté Les Sims 4. Et l'onglet ma bibliothèque avec toutes nos créations dedans, voilà, comme on a l'habitude de connaître, ok. Donc nous allons accéder à ma bibliothèque, c'est au sein de la communauté que... D'accord. Ah, on a plus nos Sims. On avait créé 2 Sims, les amis, je sais pas si vous vous rappeliez, dans la vidéo, ils ne sont plus là. Donc ça c'est tout qu'est-ce qu'il y a à intérêt sur la communauté, ok. Il y a 54 438 joueurs qui sont actuellement... D'accord, ok. Et au niveau de ma bibliothèque, j'ai perdu tout ce que j'avais. Enfin, en tout cas, j'ai perdu ce que j'avais, j'ai perdu mon Sims. Bon, bah, c'est pas grave, les amis, on va se recréer de nouveau. Alors, j'ai essayé d'aller un peu vite parce que... Alors, attendez 2 petites secondes. C'est un petit peu trop fort. La musique. Voilà. Merci bien. Alors, donc allons-y, ne perdons pas plus de temps et allons créer directement notre Sims. Alors, nous allons nous créer nous-mêmes. Donc, nous sommes plutôt jeunes adultes. Alors, attendez, on va voir ce qu'il nous propose dans les aléatoires. To Kinnix FM? Oui, quoique. Enfin, on va vraiment repartir tout depuis le début. In a breath. Non, sûrement pas. Non, je ne suis pas encore chauve. Hey, non plus. Twempalinga.
Penis Warbo. Non, pas vraiment, non. Non, non, non. Minarskal? Non plus. Hein? Topo non plus. Hey, bon, on va essayer de partir avec celui-là. Alors, jeune adulte, on va y définir la démarche à notre Sims. Alors, on avait vu les différentes marches dans la vidéo créer un Sim, donc voilà, je vais faire vite fait le tour, voilà. Un chéril, déjanté, lent, dynamique. Donc nous allons prendre une marche dynamique, parce que je marche un peu comme ça, non je rigole. Nous avons une voix plutôt... Sankulapates. Rainik. Ooh, Fromm. Yazip. Have you through yet? Non, non, plutôt comme ça. Yishirao, hein? Yishirao. Voilà, nous avons plutôt cette voix-là, chers amis. Et passons donc tout de suite côté Look, avant d'aller s'occuper de... Pas Look, ça y est, je me perds. Des personnalités. Alors, tant bien pour notre visage. Donc on a une couleur de peau plutôt claire, hein, nous. Enfin, nous, moi. Voilà, détail de la peau. Non, je ne suis pas encore ridé, hein, je... Encore heureux. par contre, est-ce que... Comment ça se passe pour... Ah, voilà. Alors, attendez, parce qu'il a l'air très méchant, ce Sims. Alors, non, moi, j'ai pas une tête... Oula, non, 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 non. Attendez. Y a pas des différents modèles de... Attendez, alors, je ne sais plus comment on joue. Alors, ça, c'est la bonne blague. Non, c'est pas ça du tout que je voulais faire. Je ne sais plus comment on fait. Coiffure. Ouais, barbe moustache. Maquillage, visage. Non, c'est pas ça. Bah mince alors, je sais plus. Ah, voilà, c'est bon. Les sourcils. Alors, on a des sourcils, nous, plutôt... Pas comme ça. On a des sourcils, nous, plutôt comme ça. Ouais. Non, plutôt cela. Ah, oui. Non, non, plutôt cela. Ouais, plutôt cela, les nôtres. Mais ils font méchants. Il a une tête de méchant, ce Sims. Voilà, on va y faire une tête un petit peu plus sympathique, hein. Voilà. Mâchoire un peu plus large, quand même. Voilà, hop. J'ai un petit menton. J'ai des oreilles, ils sont bien. Alors, bon, en gros, hein, on va pas essayer de savoir à quoi je ressemble, hein. Un nez, à peu près, des grandes narines, non pas trop, faut pas exagérer non plus, hein. C'est pas des trompes, hein, que j'ai. Alors, au niveau de la coiffure... Avons-nous de nouvelles coiffures? Alors, je ne pense pas. Non, voilà, j'avais bien raison. Toutes les coiffures sont les mêmes. Celle-là, je ne me rappelle pas. Mais apparemment, si, elle doit déjà y être. Nous sommes brins. Nous sommes brins et nous avons cette coiffure-là. Voilà. Alors, barbe, moustache, bah, nous en avons pas. Enfin, si, un tout petit peu. Mais alors, c'est vraiment filonchon. Ouais, voilà, comme ça, à peu près, hein, pas... Pas en complexité. Tes yeux, toi, ça va pas du tout. J'ai pas du tout des yeux comme ça. Moi, j'ai des yeux plutôt... Ah, voilà. Ah, carrément, en plus. C'est carrément mes yeux. Bon, c'est pas du tout de la bonne couleur, mais c'est pas très grave. Alors, attendez, j'ai pas non plus des... Non, 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 mais qu'est-ce qu'il me fait, là? Mais qu'est-ce qu'il me fait? Mais qu'est-ce qu'il me fait? Non, non. Ah, mince. Bah. Non, 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 non. Voilà. Hop, voilà. Alors, attendez, la couleur des yeux, j'ai des yeux bleus. Non, j'ai pas ces yeux là non plus, hein, faut pas exagérer. Non, pas ceux là non plus, ceux là peut-être. Non, j'ai pas ces yeux là. Bon, j'ai les yeux bleu clair, mais pas bleu bleu quand même. Il est en train de me faire des yeux de monstre. Mais c'est quoi ces yeux là? Pourquoi il me fait des yeux comme ça? Bon, écoutez, alors de toute façon, c'est pas grave, j'ai des lunettes donc on va mettre des lunettes. Ok, ça c'est bon, on a vu. Alors les chapeaux, bah j'ai pas de chapeau. Mmh, hein. Donc les amis, si vous ne savez pas quoi me payer à mon anniversaire, eh ben, voilà. des casquettes, il y a tout ce qu'il nous faut. Accessory sur le visage. Alors, ouh, c'est très joli. Bon, c'est très joli. Bon, je pense pas que ça va en faire notre outil principal, mais c'est très joli en tout cas. Et nous avons des lunettes un petit peu, comme ceci. Et en gris, ils sont gris nos lunettes. Oui, mais là, ça avait fait un peu de trucs bizarres, là. Pourquoi il m'a rechangé les yeux? Pourquoi est-ce qu'il m'a rechangé les yeux? Il se fiche de moi. Oh, c'est bien, ça. Ouais, ça compte, c'est les lunettes. Je trouve qu'il les porte un petit peu trop bas.
Y'a que ça? Ouais, y'a que ça. Bon, c'est pas grave. Hein. Et en gris, s'il te plaît. Voilà. Bon, il est porté un petit peu trop bas, ses lunettes, mais bon, c'est pas très grave. Ok, et maquillage, non, je ne suis pas maquillée. Voilà, peu importe ma tenue, hein, je suis certain, je ne suis pas maquillée. À présent, occupons-nous des vêtements. Alors, au niveau musclé, non, je suis pas musclé, je suis un petit peu plus rondelé, voilà, tranquillement. Voilà. Bon, allez, je suis modeste. Voilà, c'est bon, hein. Ça stop, ça suffit maintenant, hein, on arrête, merci. Alors, on va essayer, Je suis très souvent comment, moi? Non, je suis pas trop comme ça. Je suis tous les jours comme ça. Non, je rigole. C'est une blague. J'ai très souvent sweat un peu comme ça. Très souvent. Non, je suis pas... Non, pas à ce point-là, quand même. Faut pas exagérer. Oh. Il est fou ou quoi? Non, mais attendez, il est fou. Voilà. C'est bon, voilà, on arrive à quelque chose que l'on veut, hein. Bon, les Marcel, non, j'en mets pas, non. Ah, c'était ça que j'avais, on avait mis à notre Sims. Ah, oui, voilà. En plus, ça ressemble carrément à ma veste. Bon, bref. Continuons. Donc, dans les corps entiers qui sont préalablement faits, donc on a tous ces styles-là qui nous intéressent pas du tout. Après, au niveau des bas, alors qu'est-ce qu'on va y mettre à notre sim? C'est pas écoutez, même si les cours ont repris, on est encore en été, donc on va y mettre un short. Non, c'est plus sérieusement, on va y mettre plutôt un pantalon. J'attends que ça change, oui. J'ai des pantalons souvent un peu de toutes les couleurs, mais on va essayer de lui faire un peu un truc assorti dans ce sens-là. C'est moi ou il tient de travers le machin? Non, c'est moi. Bon, après, ce sont les autres pantalons qui ne nous intéressent pas vraiment. Alors, au niveau des accessoires, j'en ai pas spécialement. J'ai toujours une montre sur moi, ça c'est sûr. Oui, non, j'ai pas spécialement de chaussettes. Bon, écoutez, on va se faire plaisir. On va se mettre des chaussettes blanches, allez, pour le plaisir. Hein. Et des chaussures, on va se mettre en tongs, parce que je déteste porter des chaussures. Non, plus sérieusement... basket, je suis très souvent basket. Voilà, des baskets perfect. Voilà, parfait. Il me correspond carrément ce Sims, hein. C'est fou le degré de détail. Alors, concernant les autres tenues, donc ça c'est notre tenue, quotidienne, mais voici la tenue habillée. On ressemble à ça, en tenue de sport, on ressemble à ça, en sommeil, on ressemble à ça, et en fait, on ressemble à cette tête-là. Donc bon, ça ne va pas vraiment. Et d'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi la coiffure... Comment ça se fait que pour le monsieur coiffure... Alors attendez, non. C'est assez complexe à manipuler quand on n'a pas l'habitude. Je croyais que pour les coiffures... Comment ça se passe, monsieur? On n'a jamais la même coiffure. Bah écoutez, on va y remettre la même coiffure, avec la même couleur de cheveux par la même occasion. Parfait, sport. On va se mettre des cheveux... Comme ça pour le sport, ça fait bien. Pareil pour le sommeil, merci, je vais y arriver. Et pour la fête, on est complètement déliré, on se met la crête sur la tête. Non, c'est une blague, on va se mettre, voilà. Ça c'est très bien, par contre il a un chaponnet, et on met pas de chaponnet, oula. Non, on peut pas se mettre ça, c'est pas possible. Voilà, ou non ça, voilà. On aura plus de cheveux le week-end, me demandez pas pourquoi. On aura plus de cheveux le week-end, c'est tout. Et on va par la même occasion se mettre un peu de barbèche. Voilà, pour les fiestas, c'est toujours plus sympathique. Tenue de fête, bah écoutez, j'aime plutôt bien, c'est un style à part entière. Sommeil. Sommeil, ça peut aller. On croit qu'il a des grosses jambes, mais c'est fou. On croit qu'il a forcément des grosses jambes à chaque fois, c'est dingue ça. Il est mal foutu ce machin, moi je vous le lis. Bah écoutez, oui, on va se mettre un pantalon comme ça. Voilà, non, pas trop. Oh, on va se mettre comme ça. Oui, voilà, un t-shirt bleu. Voilà, et puis un petit t-shirt plutôt bras nu. Et puis en gris ou en blanc. Voilà, ça fait bien. Hop, 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 ou alors on se met carrément un gilet pour dormir. Non, on peut pas. C'est bien la nuit, ça. C'est bien la nuit. Et des petits chaussons, c'est tellement mignon.
Le sport, la tenue, comment elle est notre tenue de sport? Alors le haut ça peut pas trop aller. On va se mettre, tiens, on va se mettre à Marcel. J'ai testé pour voir si ça me va bien. Et à des motifs, ah c'est bien ça les motifs. D'accord, bah écoute, on va se mettre ce motif là. Et puis on va se mettre un pantalon qui est plutôt gris comme ça. Magnifique. Les shoes, baskets. Benji, il aime bien mettre des baskets pour faire du sport. Et ses baskets, ils sont noirs. Non, ah non, ils sont blanches maintenant, mes baskets. Excusez-moi, refais les tenues avec Benji. habillé. Alors habillé, non, parce que là, habillé, on va au travail. Et non. Modifier vos filtres. Ouh. D'accord. Ah, on est d'accord, hein, c'est un peu comme tenue habillée. Ça me convient. Et puis un jean. Un jean rouge. Parce que Benji, il adore le rouge et le flashy. Voilà. Très discret. Toujours en harmonie. Avec des petites jolies chaussures toutes bleues. Parfait. Et il a perdu ses lunettes. Benji a perdu ses lunettes. Benji a perdu ses lunettes. Alors, attends encore. Non, c'est pas ça que je voulais. C'était la tête. Merci de m'ordonner ma tête. Hop, yep, yep. Hop, ici, Benji retrouve ses lunettes si possible. Merci. Voilà, rendez ses lunettes à Benji. Rendez à Benji ce qui est à Benji. Et donc, il nous reste en notre tenue quotidienne, qui est parfaite et donc inchangeable. Alors, nous avions créé une femme à l'épisode précédent, mais on va pas la recréer aujourd'hui, parce que sinon, on va passer toute... Allez, nous serons Benjamin, le roi, c'est parfait. Sinon, on va passer toute la vidéo à créer un Sims, et j'ai déjà fait des vidéos dessus. Alors, sélectionnez une inspiration, amour, connaissance, créativité, déviance, famille, fortune, nature, nourriture, popularité ou sport. Eh ben écoutez, chers amis, nous allons prendre... très doué en affaires, les Sims doués en affaires gagnent plus salaire standard au travail. Et comme on va travailler, nous allons gagner du fric incroyablement riche. Sim devient riche et mène une carrière réussie. Ce Sim peut posséder les plus grandes. Oh oui. J'ai tellement envie d'avoir une demeure de rêve. Alors, bah les amis, qu'est-ce qui me définit? Bah premièrement, je suis un génie. Ça, c'est certain. Au niveau des loisirs, je suis plutôt geek. Ah, Star Wars. Merci pour le cliché, je l'avais oublié. Style de vie... style de vie. Oh oui, je suis maladroit. Je suis quelqu'un d'assez maladroit. Voilà, c'est tout à fait moi, ça. Je suis très maladroit. Et c'est parfait. On clique. On clique et on valide, les amis. C'est parti. On y va. Motivé. Très bien. Bon, alors, normalement. Voilà, c'est ce que j'allais dire, on va découvrir notre ville. Votre sim ont besoin d'un endroit pour vivre dans le monde. Nous allons vous montrer plusieurs maisons installées à Willow Creek ou Oasis Springs. La maison que vous choisissez vous procure des voisins et des activités uniques. Mais ne vous inquiétez pas, vous pouvez aller dans n'importe quel monde ou y emménager à tout moment dans les Sims 4. Alors, magnifique. On peut choisir donc les deux mondes qui nous sont à notre disposition. Donc, voici le premier, voici le deuxième, d'accord. Alors, donc, le premier, c'est Willow Creek. Donc, un petit peu plus campagne, quoique, et bien aussi, est pas mal. Il y a des très belles demeures, en tout cas. Hein. On peut constater... Oh, ici, je suis sûr que c'est le foyer... Ça, c'est les maisons habitées. Je suis sûr que c'est le foyer gothique là-dedans. On ne dirait pas le contraire. Et puis là, ici, on a un petit peu plus côté plage. Avec des habitations plutôt sympathiques ici. En même temps, ici, de ce côté-là, est-ce qu'il y a vrai... Ici, il y a des maisons qui sont pas mal. Ils sont petites, mais ils sont pas mal. Alors, on va aller jeter un œil. Notamment... Celle-là, elle pourrait m'intéresser. Alors, elle est meublée, il me restera ça. Passer le terrain au bulldozer, non meublé. Ok, allez les amis, on y va. 1, 2, 3. Donc, nous vivrons pour l'instant sur ce terrain de... c'est pas Oasis Springs, c'est Willow Creek. On s'organise. Hein. C'est très important de tout bien faire dès le premier épisode. Hein, parce qu'on n'est pas prêt d'arrêter à jouer au Sims 4. Donc, si on commence à faire n'importe... Ah, magnifique. Oui, parfait, la musique. Ah. Mais bien sûr! Donc, si on commence à faire un petit peu n'importe quoi et à se placer un peu n'importe où dans la ville, ça va être un peu le bordel, hein, donc ça ne ressemblera plus trop à rien. Prendre le contrôle! Mais bien sûr!
Alors, zoom. Utilise la molette de la souris pour zoomer et dézoomer. Magnifique. Alors, ça bug un peu. Alors, je vais régler pourquoi le comment du bug et on se retrouve tout de suite. Heureux les amis, donc j'ai baissé un tout petit peu la qualité graphique, je pense que ce serait mieux. Bon, c'est le premier épisode, voilà, on peut pas forcément faire les meilleurs réglages du monde. Mais voilà, on verra ça tout au long de l'épisode, où est-ce qu'on peut améliorer. Alors, ouais, d'accord. Ok, parfait, donc on peut cliquer sur le Sims double fois pour le suivre, ok, d'accord. D'accord, il a envie d'aller faire différents trucs, ok. Donc la gestion du temps, vitesse normale. Pause. Alors attendez, c'est 0, 1, 2, 3. Il n'y a pas de 4. Ok, 1, 0. D'accord, ok. Ok, d'accord, on peut les annuler. Plusieurs simulés. Ok, d'accord, ok. Il peut faire généralement truc, ouais. Deuxième inspiré. Alors je pourrais sauter le didactacia les amis, mais je préfère quand même voir ce qu'il met pour être sûr de pas me tromper. Jouer avec les émotions. Les sims peuvent vivre toute une gamme d'émotions qui influeront un peu beaucoup de leur vie. Ou beaucoup leur vie. Nous allons rendre votre sim inspiré pour montrer comment fonctionne l'une des émotions. Ensuite. Ok. J'avais cru comprendre. Votre sim est inspiré. Déplacer le curseur sur l'émotion. Nanana. D'accord, raison didacticielle. Didacticielle, pardon. Ce serait bien que ce soit tout le temps comme ça, d'accord. Ok, bon alors sinon. Oui, merci. Alors, hop, voilà. Alors, votre sim est inspiré et voudrait cuisiner. Comme il est inspiré, il mitonnera des petits plats meilleurs. Cliquez sur. Et ok. Cool. Alors, cuisiner. Ouvrir. Qu'avons-nous dans notre frigo, tiens? On n'a rien. Oh, je sens que ça va être simple. Cuisiner avec ce sim, je sens que ça va être simple. Eh ben écoutez, soyons fous. Aujourd'hui, j'ai mangé un sandwich. Alors, mangeons sandwich. Comment on fait? Ah, d'accord. Portion individuelle, familiale ou... Ah, bah, pour tout seul. Pour tout seul, s'il vous plaît. Oula. J'ai eu 50, je sais même pas ce que c'est, mais merci bien. D'accord, où est-ce qu'il va? Alors, attendez, faut le temps de se reprendre un petit peu. C'est des nouvelles commandes, donc c'est pas très simple. D'accord. Alors, votre sim avec qui la compétence cuisine est de loin la seule compétence à pouvoir maîtriser, nanana. Alors, la nouvelle compétence en cuisine de Benji, lui, permet de préparer des délicieux repas classiques et faciles à préparer. Bien, plus votre niveau de compétence est élevé, plus vous débloquerez des recettes. D'accord. Eh bah, cuisine, Benji, cuisine donc. Fais-toi plaisir, voilà, je sais pas où tu vas, mais fais-toi plaisir. Ah, voilà. Ouais. Alors, je ne sais pas si t'as faim. Bah écoute, mange-le. Je ne sais pas si t'as faim, donc je peux que te conseiller d'aller le manger. Voilà, vas-y, mange. Ah, les lags sont partis, donc apparemment c'est bon, c'est réglé. Bon, ça lui plaît. Tant mieux. Donc apparemment, il a cuisiné un truc de bon. Il a cuisiné apparemment un truc de bon parce qu'il est inspiré. Alors, qu'avons-nous donc à gauche ? Proposer un plan fou à quelqu'un. Débattre. Machin. D'accord, il a mis la télé. Il a mis la télé. Ah oui, d'accord. Il va vite falloir faire un investissement, hein. Parce que cette époque-là de la télé comme ça, c'est bien fini. Faire du zapping pour regarder la télé. Ah, chaîne de sport. Donc voilà, donc le... Toute nouvelle activité qu'on vient de voir là notamment est caractéristique de Sims 4. C'est-à-dire notre Sims, il est sur la table en train de manger son sandwich au fromage fondu, un plat classique des Sims. Et qu'est-ce qu'il fait en même temps? Il regarde la télé, d'accord? Et il mange en même temps. Donc du coup, son repas prend deux fois plus de temps parce que si du coup,
On éteint la télé et peut plus la consulter, donc il va se concentrer essentiellement à manger, et par conséquent, il va manger beaucoup plus vite son repas. Mais, par contre, ça rajoute quand même une dimension supplémentaire au jeu qui est plus que nettement très appréciable. Donc là, le bouquin d'ailleurs, tu l'as sorti tout à l'heure, mais tu vas me le ranger dès que tu auras fini de manger, parce que ça va pas du tout, hein. Voilà, puis tu vas faire la vaisselle, hein, parce qu'on n'est pas dans les Sims 3, on n'a pas les robots ménagers pour ça. Voilà, et tu iras aussi me nettoyer ça, s'il te plaît. D'accord, donc on va faire la visite un petit peu, les amis, de la maison. Donc à gauche, une bibliothèque. À droite, le truc qui ressemble au salon. Hein, voilà, je peux pas dire non plus grand-chose, parce que c'est vrai que la déco est très primaire. Une petite cuisine avec une toute petite poubelle. Une chambre très très basique dont notre Sims va aller faire un petit coup. Il va aller s'asseoir un petit coup, ça va lui faire du bien, ça va le reposer. Une belle salle de bain, voilà, donc voilà, avec un miroir, coucou, on se voit toujours pas dans les miroirs, heureusement. Parfait, et donc là on voit ça, donc j'ai bien compris, voilà, c'est ça, ok. D'accord, donc ça nous fait une sorte de cuisine américaine un peu... comme maison, d'accord, et je croyais t'avoir demandé de ranger ce livre, il m'en a ressorti un autre, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai, hein. Ce Sims, il n'en fait qu'à sa tête. Ok, pas mal, donc on va rejouer en mode comme ça, on a toujours l'habitude de jouer avec ce mode. Alors, nous apprenons qu'il est dimanche et qu'il est 11h. Ça, ici, ce sont la gestion, les différentes gestions du temps. Donc on va aller le faire regarder à télé. Oh, il s'est passé quelque chose. Ah, il est heureux maintenant, notre Sims. Très bien. Donc le fait qu'il soit heureux, il a eu de nouvelles inspirations. Donc enlacer quelqu'un, acheter un objet, débattre des capitaines, etc., etc. Qui sont liés, donc bien évidemment, à son caractère. Ah, bonjour madame. Madame Isabelle Lambert. D'accord. Présentation amusante. Hé, voisine! C'est moi, voisine! Benji et Isabelle ne se connaissent pas encore. Bon, bah, ils vont se connaître. Oh, les poubelles de recyclage. Ok! Non mais what? Elle est même pas invitée chez moi, puis elle s'invite comme ça. J'ai même pas été la voir dehors, elle arrive, elle s'installe. Ok, c'est bon, bah, ça fait 10 ans que je suis dans le quartier, c'est bon. Par contre, on va mettre la télé, parce que sinon, ça fait très vide. Faire du zapping ensemble. D'accord, elle a changé de chaîne sans regarder la télé. Okay, apparemment. Ok. Ah. Bon, vous allez me la mettre en panne la télé, hein. Alors, quelles sont les interactions avec Isabelle Lambert? Alors, plus de choix, complimenter sincèrement, demander de partir, discuter des centres d'intérêt, décrire l'invasion des robots, faire connaissance. Reconnais Blake sur Sunset Valley. Oh, bien pour l'originalité. A acquis la compétence comédie. La nouvelle compétence en comédie de Benji lui permet d'écrire des blagues sur un ordinateur et de les raconter avec un microphone. Oh. Benji est youtubeur dans les Sims 4 maintenant. Voilà, il est partout. C'est la folie. Ok, alors, partager, révéler de brillantes inventions. J'ai des inventions excentriques, alors je sais pas si ça va te plaire. Non, ne pars pas. Oula. Nibnob. Ah, dag dag. Ah, ça y plaît? Regarde, t'as de plus. J'ai encore des plus grandes idées. Donc vraiment, on voit bien là, les amis, que l'intelligence, maintenant, est le moteur des Sims. Hein. Ils fonctionnent avec l'intelligence, ils calculent avec l'intelligence, ils interagissent entre eux grâce à l'intelligence, tout ça. Donc c'est vraiment des éléments qui sont très intéressants. Faire une imitation, hein. Rappelons que notre Benji est assez comique. Donc, faisons le comique. Oh. Ok, bon apparemment ça lui plaît. Oh attendez, on va aller aux choses sérieuses. Apparemment j'ai vu qu'il fallait enlacer quelqu'un, en effet. Donc on va aller l'enlacer. Alors bon, je ne sais pas comment ça va se passer. Ah. Oh bah apparemment tout se passe bien. D'accord, donc le 25 qu'on vient de voir, en fait, correspond un petit peu comme pour les Sims 3, les compétences à long terme. Quelque chose qu'on a acquis à chaque fois, qu'on va, par exemple, résoudre un...
un souhait à notre Sims, où on va gagner des points, et ces points-là nous permettaient, dans les Sims 3, d'acheter des récompenses. Alors je pense que là aussi, il y a les récompenses. Alors, on va découvrir le petit menu en bas. Donc ça, qu'est-ce que c'est ? Heureux les amis, alors excusez-moi, c'est bon, voilà. Je sais pas trop ce qui s'est passé, il y a eu un crash, un peu de tout le monde, alors bon, voilà. Je sais pas trop ce qui s'est passé, mais c'est bon, ça y est, c'est réglé, on ne parle plus. Voilà, c'est bon. Allez, on continue. Alors, quelles sont la suite des interactivités, donc ? Illuminer la journée de quelqu'un, c'est pas ce qu'on fait déjà ? Non, on discute. Alors, écoute, on va faire connaissance avec notre amie Isabelle, nous avons déjà enlacé. Complimenter sincèrement et plus de choix, amical, méchant, malice, troll, amour. Poser une question risquée, je pense qu'on a un bon feeling avec elle. Je sais pas ce que vous en pensez les amis, mais moi je trouve qu'on a plutôt un bon feeling avec notre amie. Alors allons-nous tenter le tout pour le tout pour essayer de la séduire, pardon. Ah. Ah bah c'est plus embarrassé. Ah. C'est plus complexe. Elle est un petit peu gênée, madame. Sinon, comment s'est passée ta journée? Parce que du coup, elles sont complètement gênées. Wadida, hein? Deroy. Ah, je peux même pas cliquer dessus. Arrête. Je peux plus faire stop. C'est bien zéro. Bon, d'accord, je peux plus. Bon, c'est pas, il doit y avoir un bug. Mais elle est partie où? Elle est où? What? Attendez. Elle est en train de fouiller nos poubelles, là. Non, mais elle sent plus. Attendez, elle va y crier dessus. Ah. Lui, il était parti faire quoi? Faire une sieste? Je sais pas quoi, là. Embarrassant. 4 minutes encore. What? Attendez, elle fouille nos poubelles. Mais je m'en fiche que ça te plaise pas. Tu fouilles ma poubelle. Je vais pas te dire merci. Bon, non, non, attendez. On va s'excuser, parce qu'apparemment, ça y plaît pas trop. C'est vrai qu'on a été un petit peu méchant avec elle, hein. Mais elle fouille nos poubelles. On va pas y dire merci. Non, mais c'est vrai, quoi. Voilà, on s'excuse. Excuse-moi. Je ne voulais pas être méchant, mais... Elle prend même pas notre excuse. Parle de chez moi immédiatement. Je ne veux plus jamais te voir. Ah, tu veux du lait? Oula. Ok. Alors, arrête de lui parler. Ramasse la poubelle, voilà. Ça va te détendre. Ça va te changer d'activité. Oh, apparemment, ça ne lui plaît pas. Oula. Elle rentre chez elle, non? J'espère pas. Fulminer et s'emporter, passer à savon, provoquer, repousser, se moquer de la tenue, plus de choix. Oh. Malice. Attendez. Je suis astronaute, c'est pour ça que j'ai cette réaction. Non, je n'ai rien contre les astronautes, les amis, ne vous inquiétez pas. Comment elle va réagir? Elle va le croire? Elle croit ou pas? Oula! T'as vu, tu m'as brisé le cœur. Alors, attendez. On va essayer de inviter à... Faire connaissance, essayer de discuter. Je pense pas que si jamais on s'excuse, ça va apprécier. Je pense pas. Kubar. Je pense pas qu'elle va vraiment accepter. Parce que là, toutes les vacheries qu'on y a fait... Ah, non, apparemment, elle a pas dû accepter. S'excuser, voilà. S'il te plaît. Ah, merci. Bon, ça suffit les bêtises maintenant. On fait tout en...
une imitation, voilà. On est quelqu'un de très drôle, hein, les amis, vous l'avez vu. Si on a un petit peu d'argent, on va s'acheter un micro et on va faire YouTuber. Dans les Sims 4, oui, oui, vous avez bien entendu, YouTuber dans les Sims 4. Hein. On s'est trouvé notre métier. Ça y plaît pas. Attendez, on laisse encore un truc. Ok, elle me raconte sa blague, je la piche pas ton plus que... Oh. Passe à savon. What? Bon, arrête, c'est bon. Ouais. Ils vont se taper dessus. Au revoir. Ils vont se taper dessus. Shupaza, Gorbanehi, Glenk. Oula, elle est bien énervée par contre, hein. Ouh. Et toi, t'avais pas le droit de l'insulter comme ça. Va regarder la télé. En plus, il est en colère. Ah, regardez la démarche. Lui aussi, il est en colère. Incroyable. Tu m'énerves. Regarde la télé. Voilà. Bon, faut vraiment qu'on s'achète une meilleure télé. Alors, avons-nous du journal? Comment ça se passe? Alors, on a nos poubelles. On peut renverser notre poubelle, d'accord? On a du jardin. Alors, je ne sais pas. Il n'y a pas d'interaction avec, d'accord? Nous avons pas de courrier. Alors, comment on s'occupe au niveau des métiers, ici? Alors, on va se lancer dans une carrière, chers amis. Non, non, t'éteins la télé, s'il te plaît. Faut qu'on fasse sérieux, hein, auprès de notre chef. C'est quoi ce téléphone? On avait un smartphone, hein, je le rappelle. Alors, astronaute, gourou des technologies, criminel, artiste, culinaire, agent secret, oh oh, peintre et auteur. Allez les amis, on y va pour gourou des technologies. Qui a besoin d'aller à l'université avec des compétences en programmation telles que les vôtres? Les opportunistes sont là et vous avez un gros cerveau et êtes prêt à les saisir. Branche professionnelle. Sportif professionnel et entrepreneur de start-up. 31 sims plus par heure, 6 heures par jour. On travaille pas le dimanche et le lundi. Oh, en plus on travaillera pas demain, alors je prends ce job. Parfait. Alors on a les performances, utiliser l'ordinateur. Tâche du jour, utiliser l'ordinateur. D'accord, donc on va essayer de s'investir un ordinateur, les amis. Alors pour cela, il faut aller en mode achat. Et le mode achat est juste ici. Alors c'est mode construction. Ok, alors je sais pas comment ça se passe, c'est objet, pièce, objet, voilà, alors confort, non, appareil électronique, ordinateur, c'est plutôt bien foutu, alors, ouh ça va, il y a des ordinateurs à tous les prix, et il y a des ordinateurs complètement incroyables qui sont à un prix de fou. Agent secret, d'accord, pour l'avoir faut être agence, ok d'accord. Ordinateur moyen, ok, j'ai une tablette. alors non, on peut pas le placer là, il ressemble vachement à notre télé le machin. On n'a pas trop endroit pour la passer, donc attendez. On va... Surface, bureau, on va s'acheter un petit bureau, voilà. Est-ce que c'est les mêmes touches? C'est les mêmes touches que pour les Sims. On va s'acheter une chaise. Confort, éclairage, rangement. C'est déco, je pense. Ils ont mis ça dans déco. Non, c'est pas de la déco. Confort. Chaise. Non, c'est un fauteuil, mais je veux une chaise. Merci. On prend la chaise la moins chère du monde. Voilà. Oups. Ok, on peut pas la mettre non plus à 300 endroits. Et là, normalement, si on est d'accord, appareil électronique. Et on se met notre ordinateur. Voilà. Et on n'a plus d'argent. Donc on va arrêter de faire le foufou. Voilà. Alors, jouer web, discuter, commander, s'entraîner au programme, écrire des blagues, foyer, écrire carrière. Alors, carrière... Ah, on peut démissionner dans ce sens. Jouer... Non ! Je t'ai dit non ! Embarrassé. Et on doit faire quoi pour changer ça ? Attendez, discuter, commander, acheter des graines, acheter des livres. D'accord, c'est cool. Oh, carrément, tout service par internet quoi.
Alors, commander, s'entraîner. Bien. Comment ça bien? Qu'est-ce qui me fait? What? Mais what? Mais qu'est-ce qui me fait là? Se cacher. Non mais je sens mal. Non mais t'es tout seul mon gars. Hein. Il est tout seul chez lui puis il se cache sous le lit. Bon, c'est n'importe quoi. Va t'entraîner à programmer, tiens. Il est tout seul chez lui puis il se cache sous son lit. C'est n'importe quoi. Allez, vas-y, programme. Généralement, les ordinateurs comme ça, première version, ils sont plutôt archi sophistiqués pour tout ce qui est programmation. Donc on devrait pas trop avoir de problème. Et il était tout le temps 24h. Ah, il a acquis la compétence programmation. La nouvelle compétence en programmation de Benji lui permet de pirater et de s'entraîner à programmer. On était pirate. Mouah, pardon. Plus votre niveau de compétence est élevé, plus les opportunités de piratage se présenteront. Oh, alors attendez. Écrire foyer carrière, écrire des blagues, jouer. Non, faut atteindre un certain niveau. Ok. Donc il va manger pour 8 heures. Comme ça, il va se coucher pour une heure tout à fait convenable. Ouais. Non, il va essayer d'atteindre le niveau 1. Ah, vas-y, je t'en prie, hein, geek un peu. C'est pas grave, on mangera plus tard, hein, on a tout le temps pour manger, hein, mais là, faut qu'il termine cette compétence. Et puis, bah les amis, on va commencer à se quitter, donc pour le premier épisode des Sims 4. Alors voilà, je sais, vous êtes tristes, je suis triste, nous sommes tristes, d'accord, nous sommes tous tristes les amis. Le jeu des Sims 4 est un jeu ah c'est bon, les touches sont revenues. Les Sims 4 est un jeu formidable, mais voilà, malheureusement, moi j'ai cours, et merci d'améliorer sa compétence, voilà, et passer donc toute la journée à essayer de tourner le jeu, voilà, c'est assez, ça prend beaucoup de temps et on n'a pas forcément le temps qu'il nous faut, donc on va prendre un repas rapide, on va manger des chips ce soir, voilà. Allez, donc on va se quitter pour le premier épisode. Donc aujourd'hui nous sommes, j'allais dire vendredi, non, on est jeudi. Par chance, pour moi, demain après-midi, je vais pouvoir tourner les Sims 4 et vous proposer vendredi soir, donc encore un épisode des Sims 4. Donc c'est dire que c'est actuellement plutôt tout bénef pour vous les amis. Donc un épisode ce soir de jeudi, enfin pardon, jeudi soir, je vais, en mettant les mots dans le bon ordre, on devrait y arriver. Un épisode vendredi en fin de journée par la même occasion. Et le petit bonus de la part de Benji, probablement un épisode des Sims 4 samedi. Voilà, c'est ce qu'on appelle la semaine où on fait un peu plein d'épisodes absolument partout. Bon en tout cas il se sent plutôt bien, alors on va essayer de l'accompagner encore pendant 2 minutes à son repas, voilà. Parfait, il va faire la vaisselle maintenant. Et puis il est 22h, alors bah écoutez, il va aller. Alors on ne connaît pas ses besoins, leurs compétences, sociologie. Ah, besoin, ah voilà, c'est ce que j'allais dire. Vessie, oui. Non. Voilà, c'est ce que je cherchais à savoir en fait. Voilà, je cherchais ses besoins. Est-ce que monsieur a, oui ou non, besoin d'aller aux toilettes et tout? Il n'y a pas de lumière dans les toilettes. Ah, on entend monsieur faire pipi. Bon, excusez-moi les amis, hein. Nous sommes un peu dans la vie intime des Sims, hein, donc il faut essayer d'être un petit peu dans toutes les circonstances. Ok, plutôt cool. Il va se laver les mains quand même. Ah, c'est bien. Il est propre, c'est bien. Nous avons quand même un Sims propre. Et puis tu vas aller te coucher. Parce qu'il commence à se faire assez tard. Donc c'est haut. D'accord, Y, c'est ça. D'accord, il va falloir que je m'imprime tout ça. Oups, excusez-moi. Voilà. Y, hop, voilà. Et bonne nuit. Allez les amis, merci d'avoir regardé. Surtout, n'hésitez pas à laisser un commentaire, ainsi que de mettre un j'aime si l'épisode 1 vous a plu. Et à vous abonner pour tous ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne. Et on se retrouvera donc demain pour l'épisode 2 du Let's Play, les Sims 4. Allez, ciao, bye bye.